Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature. Dans cette vidéo, on va voir comment peindre ces petites maisons sur pilotis qui sont destinées au wargame Front Pacifique ou même jusque à la guerre d'Indochine, du Vietnam, ce genre de choses. Tout ça a été imprimé en FDM et en plusieurs parties, de sorte aussi à ce que ce soit un petit peu modulable et surtout imprimable sans support. Comme vous pouvez le voir juste là, j'ai triché au niveau des pilotis, qui ont forcément des renforts horizontaux comme cela. Et en fait, ils sont soutenus par de l'herbe qui est en dessous, qui permet donc d'imprimer tout ça sans aucun support. On peut le voir un petit peu sur ce modèle-là, où très clairement, vous voyez en fait, hein, là, vu que tout est imprimé en une seule fois, ça sort vraiment comme ça de la machine. J'ai fait une autre version des pilotis. Avec des pilotis légèrement plus hauts pour pouvoir faire des cabanes surélevées, puisque la plupart du temps, ces cabanes, elles sont faites, j'imagine, par leurs futurs propriétaires, et c'est pas basé sur des plans ou autres, ils font ça à la taille qu'ils souhaitent, en fonction du terrain aussi, j'imagine, énormément. Donc celle-là, elle va fonctionner avec une échelle. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'escalier. Donc ça, c'est la première partie à imprimer, les pilotis. Évidemment, vous pouvez vous servir de la maison posée directement au sol. Ensuite, vous avez la base de la maison, donc les murs avec un espèce de petit balcon. J'ai fait ça volontairement creux, parce que si vous voulez jouer, placer des figurines à l'intérieur pour représenter qu'elles sont à couvert, même si c'est un couvert plutôt léger, c'est possible aussi. Et enfin, le fait d'avoir fait aussi le toit détachable, en dehors du fait qu'on peut du coup placer les figurines à l'intérieur, surtout il n'y a pas besoin de support, même pas sous le toit en fait, puisque celui-là est monobloc. Dans l'absolu, rien n'empêcherait même d'empiler plusieurs étages, même si c'est peu répandu, rien n'empêche de le faire. Là, c'est vraiment sorti d'imprimante. Comme vous pouvez le voir, on a quelques cheveux d'ange à certains endroits. Donc la première chose à faire, elle est super simple, c'est qu'on va prendre un briquet et on va cramer tranquillement tous ces cheveux d'ange, juste histoire de ne pas avoir de problème au moment de la sous-couche. Alors, il ne faut pas insister trop, surtout sur les parties fines comme les poteaux de soutien du balcon, parce que sinon, très clairement, en fait, ça va devenir souple et du coup, ça va s'écraser un petit peu dans vos mains, puisque là, ces piliers-là, ils font 3 mm, ce qui n'est pas très épais. Donc, on passe un petit peu partout, même aux endroits où on a l'impression qu'il n'y a pas de cheveux d'ange, ça coûte pas grand-chose de mettre un petit coup de flamme, parce qu'une fois qu'on va sous-coucher ça, le moindre défaut sera mis en valeur. Je les ai volontairement imprimés en PLA noir, parce qu'en fait on va faire une sous-couche de blanc en zénithal par-dessus, pour ensuite, du coup, pouvoir faire une peinture à la contraste ou speed paint, histoire que ça aille relativement vite. L'endroit où j'ai le plus de cheveux d'ange, c'est sur la base, parce qu'il y a vraiment plein d'endroits qui sont resserrés les uns aux autres, ce qui fait qu'on a très vite des cheveux d'ange qui se crèment, mais c'est normal, c'est pas forcément un défaut de la machine, puis ça dépend aussi énormément du filament que vous utilisez. Donc là, on a une base qui va être prête à être sous-couchée. Et pareil pour le toit, vous voyez, il n'y a pas de complications, il n'y a pas eu de complications au moment de l'impression, mais d'expérience, je sais qu'il y a quand même quelques cheveux d'ange, et surtout qu'ils se verront au moment où je vais faire la sous-couche. Donc un coup de briquet. Et ensuite, on va caler ça sur un plateau à sous-couche. Alors je ne peux pas trop vous le montrer au moment de la sous-couche, mais on va caler ça sur un plateau de sous-couche et on va sous-coucher en blanc par-dessus, sans insister par en dessous. Ce qui va commencer déjà à créer un dégradé sur l'ensemble du décor. Et ensuite, la peinture, ça ira tout seul. Je vous montre ça juste après la sous-couche. Nous revoilà donc après une sous-couche de zénithal. Donc comme vous pouvez le voir, on voit bien ici le dégradé qui a été fait donc du blanc par le dessus, qui a vraiment, donc on a attrapé tous les reliefs par le dessus, et pour autant, la plupart des creux, là où c'est peut-être le plus visible, c'est ici, on voit très clairement un dégradé du noir vers le blanc sur cette partie-là, parce que j'ai peint par le dessus. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça en couleur, en partant donc des mêmes teintes que j'ai utilisées sur ce modèle-là, histoire que vous puissiez constater que c'est vraiment très très simple à faire. Dans la mesure où c'est des décors, on va faire une peinture très simple. On va donc prendre des contrastes,
et on va partir sur trois teintes différentes qui sont le Seagore Brown, qui est un marron très très foncé, qui convient bien, je trouve, pour ce genre de cahute. On va prendre le Agoras Dune pour faire toutes les parties cordes et les parties toiture, qui est en donc couleur un peu paille en fait, tout simplement. Et le Orc Flèche pour le sol, toute la base en fait qui va être en dessous. Alors c'est sûr qu'on la verra pas très bien ensuite, puisque ça on va le coller hein, évidemment ensuite, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir à soulever ce genre de choses. Là si je l'ai détaché c'est juste pour simplifier l'impression 3D, tout simplement, et surtout pour pouvoir les mettre sur des hauteurs différentes. Donc comme d'habitude avec la contraste, on commence avec la teinte la plus claire, à savoir Agoras Dune, qui est une teinte assez jaune. Vous avez vu, j'ai pris un gros pinceau, là je m'en fiche littéralement de dépasser, puisque de toute façon après je vais venir repeindre tout ça avec des teintes bien plus foncées. Donc là on s'en fiche, on peut se permettre de dépasser. Et on va juste faire les cordages, qui sont donc sur tous les troncs qui sont plantés dans le sol pour maintenir en fait la base du pilotis de cette maison. Donc ça c'est vraiment une phase très simple. Même si on ne voit pas l'intérieur, on va quand même peindre aussi à l'intérieur. Parce que voilà, ça mérite d'être fait, puis c'est pas comme si c'était très très long à faire. Vous voyez vraiment, je m'en fiche de dépasser. On charge bien le pinceau. Et puis cette fois, pour une fois, on va essayer d'attendre que la peinture sèche. Pour le tuto peinture, c'est toujours délicat pour moi d'enchaîner sans qu'il y ait trop de faux raccords, etc. Donc j'ai tendance à pas forcément attendre que ça sèche, mais cette fois, je vais essayer de faire attention. Et je vous invite vraiment, vous, à attendre que toutes les contrastes, tous les speed paint, le dipping ink, etc., qu'elle sèche bien entre les couches, que vous n'ayez pas des mélanges. Enfin, à moins que vous vouliez justement vous servir du fait que ce soit pas sec pour faire une espèce de peinture dans le frais. Hein, ça peut servir dans le cas de dégradé par exemple d'une teinte à l'autre. Je vous ai déjà fait une ou deux vidéos sur le sujet. Pour pouvoir voilà, allier des teintes entre elles, ça marche aussi avec la contraste, et justement on se sert du fait que ce soit pas sec pour les allier. Donc là globalement j'ai fini mon cordage, j'ai fait à peu près toutes les parties, et puis alors là on va pas s'emmerder, on va vraiment badigeonner le toit. Donc là c'est une phase où on pourrait prendre un plus gros pinceau. La seule chose qu'il y a à faire attention pour cette étape-là, c'est que, je sais pas si vous voyez, on voit les layers, qu'on voit les couches d'impression 3D. C'est imprimé en 0.2, donc on voit quand même un petit peu les couches d'impression 3D. Dans le cas de la contraste, c'est une peinture assez liquide et qui a parfois une petite tendance à faire des bulles. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insister un petit peu plus aux endroits où on veut être sûr qu'il y ait bien de la peinture. Parce que si on aperçoit, voilà, ici par exemple, je ne sais pas si vous voyez, là, juste là, on a des pointes de blanc. En fait, c'est vraiment des endroits où il faut insister un peu pour que la peinture s'applique bien sur votre modèle, pour pas que ça crée de zones blanches, parce que là, ça se verrait, ce serait quand même très très visible, et ce serait pas ce qu'il y a de plus joli. Je cherche d'autres teintes qui serait cool en contraste, enfin en peinture rapide. Je vais dire peinture rapide maintenant plutôt que de citer toutes les marques. Donc je cherche d'autres teintes pour varier un peu les couleurs des chaumes, des toitures, etc. Si vous avez des idées de couleurs à partager, toujours en peinture rapide, hein, je suis preneur. Alors je pourrais aussi faire sur des brossages, etc. Mais là c'est vrai que maintenant je commence, on a tous un petit peu quand même ce défaut, j'allais dire, c'est qu'on commence tous à prendre l'habitude de peindre en contraste, en peinture rapide. Parce que en fait, c'est vachement plus rapide. Et le rendu est carrément acceptable au vu du temps passé. Donc en fait, la pile de la honte, elle diminue un petit peu. Et surtout, on arrive à jouer avec des figurines toutes peintes, quoi. Même si c'est pas certainement pas au niveau d'une peinture à l'ancienne.
C'est vrai que c'est quand même très très cool de passer à cette méthode de peinture là, quoi. Et puis elle donne un rendu cool, même quand on n'est pas très bon en peinture. Condition qu'on est bien, qu'on n'ait pas déconné sur la sous-couche et on est bon. Donc là, j'ai fini mon toit de chaume, entre guillemets. C'est le moment où il faut faire gaffe parce que là, j'ai pas de zone d'accroche sur l'objet. Vous voyez, je l'ai tenu par ici. Et si je laisse mon doigt, hop, on voit la trace de doigt. Parce que c'est pas sec. Donc à la fin, je vais vraiment le tenir comme ça. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'endroit où il reste trop de blanc. Les endroits où il y a un peu trop de marron, bah j'essaie de tapoter un petit peu pour en enlever. Et puis bah maintenant, comme je vous l'ai dit, là, il n'y a pas de cordage nulle part sur cette partie-là. Donc on n'a rien à faire sur celui-là. En tout cas, en Agoras Dune. À Garros Dune, pardon. Du coup, on va attendre que ça sèche. Et puis on va passer ensuite au vert, puisqu'on va du plus clair au plus foncé. C'est à peu près sec, à peu près. Et maintenant, du coup, on va enchaîner avec du vert. Ici, j'ai choisi du Orc Flèche. Pourquoi? Bah parce qu'on est sur un front pacifique où j'ai envie que le vert soit assez pétant. Alors, libre à vous de prendre une autre teinte. On pourrait aussi le faire en marron pour donner un aspect terre. Vraiment, là, ça va être à votre convenance. Et puis là, bah, on va simplement, on va pas s'emmerder. On va appliquer ça. Encore une fois assez grossièrement. Alors là par contre vu que le vert est quand même assez fort, assez puissant entre guillemets, il se voit bien quoi, il est très coloré. On va essayer alors surtout de ne pas dépasser sur le cordage, ça c'est une certitude, parce que là on viendrait complètement modifier la couleur du cordage. Et surtout de pas trop dépasser sur les parties bois. Parce que même si le bois qu'on va utiliser est assez sombre, ce vert assez puissant risquerait quand même de dénaturer la couleur Seagull Brown, donc ce marron très très foncé qu'on va ensuite appliquer. C'est pas une phase très très passionnante, surtout qu'ensuite vous allez voir que sur la maison, bah, on ne voit plus rien. En tout cas, on voit surtout les côtés en fait, mais vraiment sous la maison. Après, ça peut être important, surtout si vous voulez faire des photos par exemple, ce qui est mon cas. Dans mon cas, je fais des photos parfois sous des angles, pas l'angle qu'on a au-dessus d'un champ de bataille. Et du coup, bah, il faut quand même que je peigne de partout pour qu'en fait, sous la photo, on voit pas très clairement qu'il reste du blanc, quoi. Donc là, vraiment, hein, on s'emmerde pas. D'ailleurs, j'en profite pour ce vert orque. Si vous faites de la peau orque avec, je trouve qu'il rend encore mieux. Enfin, parce que là, il est très clair en fait sur du blanc. Je sais pas si vous voyez, je le trouve quand même très très clair. Et moi, j'aime bien les orques qui ont la peau un peu tannée. Il y a deux méthodes pour le faire, mais je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Mais pour vous expliquer brièvement, soit vous passez deux couches et vous aurez un beau vert assez foncé et avec deux couches de Orc Flèche. Sinon, avec une seule couche, mais par-dessus, vous allez y passer un lavis sombre, type Devian Mud, Agraxor Shade, Strong Tone de Jeremy Painter, etc. Histoire d'assombrir un peu le tout. En tout cas, si vous aimez les orques sombres. Parce que là, on est vraiment sur du vert old school, vieille école, le vert quasi gobelin fanatique. bah, je vais pas dire qu'il est fluo, mais on n'est pas loin, quoi. Donc voilà, hop, là j'ai quasiment terminé l'intérieur du décor. En tout cas, il y a des parties qui sont un peu chiantes, et notamment celle-ci. Donc vous allez voir qu'à mon avis, il y a des moments où je vais dépasser sur le bois, mais c'est pas si grave que ça, dans la mesure où tout ça est sous l'espèce de balcon qu'il y a devant la maison. Donc. Par contre, ça là, je le peins en vert. En fait, ça c'est de la triche d'impression 3D. Donc ça simule une espèce d'amas d'herbes hautes qui se stocke souvent sous les escaliers. Je sais pas si vous avez une vieille baraque, mais sous des escaliers en bois, moi j'en ai dehors. Bah, on passe pas la tondeuse en règle générale. On va pas se mentir, en plus dans ces pays-là, ils passent pas trop la tondeuse, ce qui est logique. C'est plutôt nous qui déconnons à passer la tondeuse. Mais bon,
Bref, sous les escaliers, bah souvent la végétation, elle se fait plaisir. On pourrait croire qu'elle est trop à l'ombre et que ça pousse pas, mais en fait, ça passe entre les interstices des planches, condition que ce soit un escalier en bois, et du coup, bah, ça pousse quand même. Donc, en gros, je me suis amusé un petit peu à faire de la fausse végétation sous l'escalier, qui me permet en fait de maintenir les marches, puisque sinon, en fait, sous les marches, d'ailleurs, on le voit, hein, il y a un petit phénomène d'effondrement à certains endroits. C'est parce que j'ai voulu les soutenir au minimum avec quelque chose qui va simuler le vert de l'herbe qui pourrait y avoir au fond. Et vous voyez que c'est pas intégral de partout. Hop. Donc là, j'insiste justement là où il y a des espèces de phénomènes d'effondrement. Et ben, on va dire que ce sera un peu à peu près de l'herbe quoi. Puis ensuite, il faut passer dans les creux. Donc ça, c'est peut-être le seul moment un petit peu chiant. En essayant surtout aussi de pas trop dépasser sur l'ensemble du décor. Ici, on a une marche qui est un peu qui est en bois, mais qui est un peu enfoncée dans la terre et dans l'herbe. Et puis ensuite, on va faire les contours. Pareil, pas une phase super passionnante, mais là, c'est vraiment l'endroit qui sera visible sur votre table de jeu. Donc, on essaie de s'appliquer un petit peu plus. Et pour le moment, vous avez vu que j'ai pris un pinceau assez gros, explosé en plus, parce que l'habitude d'utiliser ce pinceau. Pour les phases suivantes, ça peut être cool de prendre un pinceau un peu plus fin. Voilà, ce sera forcément un peu plus long, mais ça peut être quand même cool de prendre un pinceau un peu plus fin pour être sûr de pas trop dépasser, parce que le marron qu'on va utiliser est vraiment très sombre. Donc là, je termine mon tour. C'est cool parce que on voit vraiment le décor commencer à se dessiner déjà avec le vert. La contraste a tendance quand même à mettre en valeur malheureusement les layers, donc les couches d'impression 3D. Je rappelle que vu la taille de ce décor qui est pas très gros, il serait tout à fait possible de l'imprimer en résine, auquel cas là vous auriez absolument aucun. Ce serait à peine perceptible les couches, puisque là on est en 200 microns, avec une résine on serait plutôt à 25 ou 50 microns, donc ce serait quasiment imperceptible. Mais voilà, moi je préfère faire sans FDM, surtout quand on veut en imprimer beaucoup. C'est plus économe en matière aussi, ça coûte moins cher. Et visuellement, ce sera cool aussi, quoi. Donc là, j'ai terminé le vert. Alors là, c'est une phase où il faut bien que je laisse sécher. Et puis ensuite, on va passer au marron. Ok, c'est sec. On va donc passer au Seagor Brown de chez Contraste. N'hésitez pas à tester avec d'autres types de marron, hein, bien entendu. À aucun moment il faut vous arrêter à une teinte en particulier dans mes tutoriels. Vous faites vos expériences avec d'autres couleurs. Moi, ce que j'aime bien avec celui-là, c'est qu'il est quand même très très sombre. Donc en fait, il va cacher aussi un petit peu les imperfections de l'impression en filament. Et au-delà de ça, avec un petit brossage après, vous verrez à la fin, un très léger brossage, ça fait rehausser un petit peu les teintes. Et voilà. Et puis en plus, en ayant observé quand même pas mal de photos, beaucoup sont soit en beaucoup de maisons comme ça sur pilotis sont soit en bambou, soit en bois qui a été soit volontairement noirci, soit volontairement brûlé pour lui permettre d'avoir une meilleure résistance dans le temps, tout simplement. Donc voilà, donc un marron plutôt sombre. Mais le Wildwood fonctionnerait aussi très bien. Le Elf Brown de chez Speedpaint, enfin bref, faites-vous plaisir au niveau des marrons. Cette étape-là, elle n'est pas ultra passionnante, parce que, en fait, il s'agit surtout de ne pas trop dépasser. Essayez de garder le vert du socle. Et puis surtout, voilà, on va avoir besoin quand même à certains endroits d'incliner l'objet vraiment dans tous les sens. Pour bien appliquer la peinture, pas dépasser sur le cordage surtout, parce qu'il est très clair. Donc là, ça se verrait quasi instantanément. Et il faut y aller tranquillement. Alors, il y aurait aussi la possibilité, sinon, d'imprimer
en marron très foncé, d'imprimer directement l'objet entier en marron. Et ensuite de venir juste à la limite faire un brossage. Mais on aurait la problématique de la sous-couche. Parce qu'en fait, il faut mettre un après dans tous les cas pour peindre. Et par exemple, pour le socle, ça poserait problème parce que peindre du vert sur du marron non sous-couché, puisque ce serait la couleur du PLA, ça accrocherait pas bien. Pareil pour la toiture, la chaumière. Donc voilà. Alors sachez pour info quand même que j'ai fait le test aussi d'imprimer ça en multimatériaux sur la Bamboo Lab. Pour vous donner une petite idée, avec les trois teintes différentes, puisque finalement il n'y a que trois teintes, on a un objet qui est quand même plutôt cool à la fin, mais je l'imprime en quasiment 15 heures. Alors que, toujours sur la bambou, en monocouleur, comme je vous l'ai montré au début, là, en noir, en 3 heures, l'objet est sorti. Les trois parties, hein, de l'objet. Donc la base, basse, le toit et la cabane. Donc voilà, rapport temps, surtout qu'en plus, imprimer couleur, c'est franchement pas foufou non plus visuellement. Ça vaut pas un coup de pinceau dessus, quoi. Donc, ouais, moi j'aurais tendance, pour ceux qui ont la chance d'avoir une bambou, de profiter de la vitesse de la machine pour l'imprimer vite et vite prendre son pied à peindre, mettre tout ça en couleur, passer un moment tranquille et calme devant une peinture qui n'a pas besoin d'être ultra précise non plus. Hein, on n'est pas en train de peindre un seigneur de guerre ou un héros extrêmement important, donc si. S'il y a quelques erreurs, c'est pas très grave, c'est noyé dans le champ de bataille. Donc voilà, autant pas trop se prendre le chou. Pour la suite du marron, ici j'ai choisi un pinceau un peu plus fin. Un peu plus fin pour essayer d'éviter de dépasser en fait, puisque au niveau du vert, j'essaye de pas trop déconner. Mais ensuite, pour la partie de la maison, je vais changer de pinceau. Et je vais très clairement prendre plus gros. Parce que la maison, je vais la peindre intégralement. Il n'y a pas une partie qui ne sera pas en Seagor Brown. Donc je peux y aller avec du gros pinceau. Au niveau de la peinture, si on parle uniquement finance, voilà, on peut aussi essayer de faire attention à ce que ça coûte pas trop cher en peinture. Parce que les peintures rapides sont un peu plus chères. En tout cas, chez Games Workshop, les contrastes, elles sont un peu chères. Du coup, enfin, elles sont même très chères, je trouve, parce qu'on est à presque 6 balles le pot, dans lequel il n'y a pas grand-chose. Donc moi, j'aurais quand même tendance peut-être à vous dire que pour la peinture de décor en peinture rapide, eh ben, optez plutôt pour soit les Speed Paint de Army Painter, soit les Dipping Ink de chez Green Stuff World. Parce que c'est vachement moins cher, que le résultat il est aussi bon, il faut juste trouver les teintes qui vous conviennent, et ça marche pareil quoi, ça marche pareil. Donc dans le cas des décors, franchement, pas forcément faire avec. D'ailleurs, je vais peut-être vous mettre les correspondances des couleurs qui pourraient aller, mais franchement, c'est peut-être même pas nécessaire. Fouiller les marrons, il y en a vraiment pas mal. Donc voilà, essayez de c'est un peu con ce que je suis en train de faire, de peindre avec de la peinture chère un décor. Ce serait vachement plus malin de faire ça avec une peinture moins chère, quoi. Parce que ouais, l'écart de prix est quand même dingue. Je vais vous montrer juste pour le fun. Alors je tiens mon pinceau dans la bouche, donc excusez-moi. Mais là, on est sur un pot de contraste à presque 6 euros. Là, je parle comme. Et là, on est sur un pot de Green Stuff World à 4 euros et des bananes. Vous voyez la différence de quantité? Ah, qui est juste dingue. Excusez-moi pour la voix bizarre. Au vu des prix, il y a quand même une différence énorme. Donc là, voilà, j'essaie d'être précis. Si je dépasse un peu, franchement, c'est pas très grave, parce qu'en fait, vous allez voir que le dessous,
Alors sur les côtés, on va pas mettre de flocage. On pourrait hein, en mettre un petit peu, mais il n'y a pas trop de zones plates. Donc ce serait pas ce qui est forcément ce qui est le plus joli. J'ai préféré leur faire un socle pas trop large, qui soit vraiment à ras des maisons, pour qu'on puisse les coller les unes aux autres pour faire des espèces de villages ou de montages de plusieurs cabanes qui sont accrochées presque les unes aux autres. Donc sur la partie extérieure du socle, on va pas mettre de flocage. Par contre, dessous, tant qu'à faire, pour cacher un petit peu les layers, parce que là on les voit très clairement, là on va mettre un peu de flocage. Ce sera plus sympa visuellement, même si finalement c'est sous la maison, donc c'est assez discret. Je sais pas si vous voyez, à force de manipuler le socle, je perds de la peinture sur les extrémités. Donc j'en profite pour vous transmettre une combine que j'ai découvert malgré moi et que vous avez peut-être même déjà découvert malgré vous. C'est que la contraste, enfin toutes les peintures rapides, vu que c'est des peintures assez liquides, en frottant avec votre doigt, vous pouvez les atténuer un peu. Ce qui fait qu'en fait vous pouvez, sans peinture, quasiment faire du lining de blanc sur les zones extérieures. Je vous montre en détail, admettons sur le bout de ce pot, de ce bout de poteau. Si je fais ça, j'ai fait un éclairci au bout de mon de la poutre. Donc bon là, c'était pas très efficace ce que je viens de vous montrer, mais c'est pour que vous compreniez le principe. Moi, ça m'arrive très souvent, après avoir appliqué le pinceau sur un étendard ou ce genre de choses en contraste ou en peinture rapide, de venir avec mon doigt rapidement enlever en fait un peu de peinture sur le relief. En plus, vu que bah, nos doigts, c'est pas des, enfin, ils sont pas forcément très fins sur les parties plates, on rentre pas dans les creux, donc on vient pas enlever de peinture. Par contre, sur les reliefs, bah, c'est assez simple. Vous pouvez le faire aussi avec un pinceau gomme. Pinceau gomme, c'est des pinceaux qui n'ont pas de poils, c'est des embouts en silicone au bout, qui permettent plein de choses, mais entre autres, par exemple, de travailler le green stuff ou le mini-putt. Et les pinceaux gomme, ça marche bien aussi pour effacer que sur les reliefs, certains endroits de peinture, quand elle est encore pas parfaitement sèche. Ça marche plutôt bien. Donc là, dans l'ensemble, mes pilotis, ils sont quasi terminés. Donc là, j'ai juste certains pots. C'est le moment où il faut bien observer le socle de cette maison sous tous ses angles pour vérifier qu'on n'ait pas oublié un morceau. Vous voyez juste là. Hop, on tourne. Dans l'ensemble, on est pas mal. Ouais, peut-être juste au niveau de l'escalier, non, même pas. Donc on va dire que c'est bon. Et là, je vais faire la suite, mais je vais le faire en accéléré parce que ça a aucun intérêt. Je vais mettre un gros coup de peinture là-dessus. Et je vais juste faire les bords. Voilà, à la limite, je l'ai fait avec vous, cela, parce que, enfin, en direct, parce que ça va vraiment vite. Hop, ça, c'est fait. Et ça, c'est fait. Vous voyez, ça va vraiment très très vite. On va faire l'autre côté. On a une espèce de poutre qui dépasse ici. C'est au moment de la sculpture, je m'en souviens. Elle est à peine visible maintenant. Je m'en fous de dépasser dessous. Hop. Et voilà. Donc là, ma toiture, elle est prête. On pose ça ici. Ça sèche. Et c'est parti pour ça.
Alors, il faut m'excuser pour la suite de cette vidéo. Je suis obligé de redoubler ma voix puisque j'ai eu un problème d'enregistrement du son. Donc là, on en est à la phase où je vais poser le flocage sur l'ensemble du décor. Parce que, comme vous allez le voir, en fait, sur toute la partie inférieure, tout ce que j'ai peint en vert en orque flèche, on voit énormément les layers, les couches d'impression 3D qui sont franchement pas très jolies. Donc, on va cacher ça. Pour cacher ça, je vais ici utiliser, en fait c'est de la feuille d'automne que j'ai ramassée et que j'ai broyée en morceaux. Et du coup, on va appliquer de la colle vinylique sur le socle, aux endroits. Vous avez vu que j'y vais pas de main morte. Vraiment, j'en mets pas mal. Ce que je veux, c'est que ça cache quasiment entièrement tous les défauts d'impression, en fait, qu'on peut voir sur les zones plates, puisque là, très clairement, on voit les couches. Ensuite, je prends mon gros pinceau assez déglingos et je vais étaler ça tranquillement de partout sur les zones où je veux du flocage. Une fois que tout ça est bien étalé au pinceau, je vais simplement prendre mon flocage. Le problème, celui-ci, c'est qu'il faudrait que je le passe au tamis pour que j'ai différents grains d'épaisseur. Parce que là, il y a vraiment des gros morceaux, des espèces de tiges. Et il y a du très fin. Le très fin, je sais qu'il est tout le temps stocké au fond de la boîte, donc je vais commencer par celui-ci, notamment pour la partie qu'il y a au niveau de l'escalier. Et puis ensuite, je vais prendre un petit peu de tout, je saupoudre le tout, j'en mets vraiment beaucoup plus que prévu, dans le but de couvrir tout ça. Ensuite, je tapote tout en le gardant à l'horizontale, dans le but en fait que ça vibre sur le plateau pour que ça colle bien à tous les endroits où j'ai mis de la colle vinylique. Et puis ensuite, je le retourne et je le tapote à l'envers pour enlever l'excédent. À la fin, j'aime bien souffler un petit coup dessus, histoire d'enlever éventuellement les zones qui seraient pas tombées. On remarque qu'il y a des petits endroits où ça a accroché aussi sur les marches, donc ça rajoute un tout petit peu de réalisme. Et puis voilà, et du coup, maintenant, on va pouvoir passer au montage en fait de la maison. Alors on passe au collage, donc là c'est extrêmement simple, on va simplement mettre un petit point de superglue sur chaque pilotis qui dépasse du socle de base et on va prendre soin de bien aligner la maison avec les pilotis. Je n'ai pas fait d'encoche parce que parfois ça pose problème pour peu que vous ayez un défaut lors de votre impression chez vous, donc il n'y a pas d'encoche, il suffit simplement de bien aligner voilà, la maison avec les pilotis, c'est parfaitement logique. Et puis ensuite, ça colle plutôt bien. À titre personnel, au niveau du toit, je le colle. Je sais, à mon avis, que la majorité d'entre vous ne vont pas le coller pour pouvoir y placer des figurines à l'intérieur, pour représenter qu'elles sont à couvert, par exemple, pendant un wargame. Moi, cette série de maisons, en fait, j'en fais vraiment plusieurs, et le but, c'est que ça ressemble à un village, ça va être un décor de fond, et la majorité du temps, je vais surtout m'en servir pour faire des photos, en fait. Donc, je préfère coller le toit, et je vous cache pas en plus que des décors, j'en ai vraiment, vraiment beaucoup, donc je préfère des décors monobloc faciles à ranger, plutôt que plein de pièces que je risque de perdre à droite ou à gauche. Ensuite, on va voir brièvement comment on peut rehausser un petit peu la teinte de bois de l'ensemble de ce décor, parce que le Seagor Brown est une couleur vraiment très très sombre. Donc là, je vais utiliser une peinture PBO, c'est de la peinture acrylique. Elle est légèrement pâteuse, elle est assez épaisse, mais c'est pas grave du tout, pour une légère phase de brossage à sec. Donc là, c'est très simple, un vieux pinceau, même s'il est éclaté, c'est pas grave. On va prendre un peu de peinture, essuyer le pinceau à mort, vraiment beaucoup, soit sur un sopalin, soit sur un bout de tissu, soit sur une éponge, bref, une surface qui va absorber un petit peu de la peinture. Je vous invite vraiment à ce moment-là à exagérer vraiment le moment où vous allez nettoyer votre pinceau avant de faire le brossage à sec. Il vaut mieux qu'il n'y ait pas assez de peinture et que vous réadaptiez la quantité de brossage sur votre chiffon pour que ça marque plus, plutôt qu'il y en ait trop. S'il y en a trop, vous allez pourrir votre travail préalablement fait, alors que s'il n'y en a pas assez, il suffit d'insister un petit peu plus. Normalement, un brossage, il est probable que quand vous avez bien essuyé votre pinceau, vous avez l'impression, je dis bien l'impression, qu'il n'y a quasiment pas de peinture dessus. Et du coup, vous allez ajuster comme ça au fur et à mesure. Une fois que le brossage est terminé, on voit quand même que la différence entre
brossé ou non brossé est plutôt cool. Puis maintenant on va voir ce que ça donne pour l'ensemble des maisons. Nous voilà donc à la fin de cette vidéo, voici donc quelques photos du rendu global d'une de ces maisons imprimées. Vous remarquez que quand on en met plusieurs, ça a tout de suite un petit peu plus de gueule, surtout qu'on peut vraiment se faire plaisir sur les orientations pour les associer les unes aux autres. J'en profite maintenant pour vous préciser que vous pouvez soutenir mon travail avec le pack 3D que vous pouvez obtenir sur My Mini Factory, sur Tipeee ou sur Patreon. Ça vous permet à vous d'obtenir une quantité de fichiers 3D tous les mois assez important, puisque en moyenne il y a au moins 30 figurines, des véhicules et parfois même des décors. Tout ça pour 8 euros, alors que la valeur du pack est plutôt de 80 balles une fois que je les vends à l'unité. Il y a majoritairement de l'historique. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao !